Bonjour, bienvenue dans le cadre de la Foire du Livre et avec le Centre Belge de la Bande Dessinée. Nous sommes ravis d'accueillir Juanro Guarnido pour son exposition dans son exposition. Alors Juanro, comment ça va? Ça va très très bien. Toujours à Bruxelles, ça va très bien. Vous êtes heureux de vous retrouver dans cette exposition ici au cœur de la Bande Dessinée belge? Bien sûr, très heureux de revoir cette superbe exposition que le Centre Belge a montée. Pour moi, je suis honoré au-delà des mots. Et puis voilà, ravi de participer de ce petit événement et de pouvoir partager quelques moments avec vous. Alors on va vous suivre dans votre propre monde, dans votre propre univers, et c'est vous qui allez nous guider dans cette exposition et nous proposer quelques anecdotes croustillantes sur votre travail. On va voir si c'est croustillant, mais bon, en tout cas c'est assez exhaustif parce que l'expo... c'est chronologique et ça commence déjà par ce petit dessin auquel je tiens tellement et duquel on a perdu l'original. Bien sûr, parce que j'avais 4 ans quand je l'ai fait, quand mon père m'a invité à dessiner le village où on habitait et que j'ai pondu ce truc qui s'est retrouvé dans le journal régional, étonnamment, parce que c'était pour un concours et je l'ignorais, mais... Même si j'avais que 4 ans et c'est évidemment le dessin d'un enfant, les gens ont vu que c'était curieux, le fait qu'on reconnaisse vraiment mon village, Salobreña. Oui, et ça a donné lieu après à un développement sur un panel super large de création, donc, qui part des États-Unis à l'Europe avec quelques allers-retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été un parcours de joncher de dessins depuis que je me souviens. Et ça, c'est la première concrétisation semi-professionnelle, on va dire. C'est les dessins que je fais pour l'édition espagnole de Marvel, qui était publiée par Planeta à l'époque, avec ses couvertures, donc couvertures et images pour posters de double page centrale, dont on n'a pas gardé une partie des originaux. C'était un petit peu familial comme entreprise, et du coup... Voilà, c'était officieux par moment, et puis on a perdu trace d'une partie des originaux, d'où le fait qu'on ait pu mettre ici seulement des reproductions, donc des pages, et on voit comment ça, il y a par transparence, on voit ce qu'il y avait derrière dans les pages de ces petits magazines. À l'époque, on parlait des années, fin des années 80, début des années 90. À l'époque où j'ai terminé mes études de Beaux-Arts, c'était déjà une première incursion dans le monde de la BD au niveau professionnel, on va dire. Et même à l'époque, il y a des personnes qui se rappellent encore du fait que j'ai commencé par là, hein, qui m'ont découvert déjà à cette époque-là. Et ça, c'était assez curieux. Oui, et vous êtes après resté aux États-Unis avec Disney notamment, vous avez travaillé sur tout un tas de projets. Oui, j'ai plus ou moins renoncé à l'idée de faire de la BD au moment où, avec mes études de Beaux-Arts finies, j'ai décroché un travail à Madrid dans un studio de dessin animé, et par la suite, j'ai travaillé 3 ans dans des différents studios de Madrid en faisant du storyboard, du layout, développement de personnages et autre chose. Et par la suite, j'ai eu la chance d'être embauché par Paul Brizzi, qui était le directeur des studios Disney de Montreuil, maintenant disparu. Mais ça m'a permis de venir m'installer en France et de travailler pendant 10 ans dans ces studios formidables où vraiment ça a été... Le dessin animé en lui-même, déjà, c'est la meilleure école de dessin qui soit. Mais chez Disney, du coup, carrément, vous êtes en train de côtoyer tous les jours des génies du dessin, quand pas des véritables légendes. Donc vraiment, c'est un apprentissage intensif et d'une qualité vraiment sans trop de parangon. Et ce côté cinématographique a du coup influencé Black Sad ou Les Indes Fourbes? C'est ce qu'on me dit souvent, mais on me fait souvent cette réflexion. Du fait, oui, vos dessins sont dynamiques parce que vous êtes animateur. Mais l'approche du mouvement est la même, enfin la notion du,
du mouvement de vos personnages est la même, mais la façon dont on la concrétise sur papier, c'est à l'opposé. C'est vraiment à l'opposé en dessin animé. Et du coup, la preuve est un peu là. Et c'est très bien, vous pouvez la voir dans ces reproductions d'animation. Disons que ces trois dessins-là, du personnage du père de Tarzan, qui pousse une manivelle pour descendre une barque, c'est un effort physique énorme. Mais aucun des dessins en lui-même, il est très parlant du mouvement. Par contre, quand l'animation complète, regardez, il y a le timing qui joue, il y a l'overlap des différentes actions, des différentes parties du corps qui jouent, et c'est là que vous avez le mouvement, il est développé. Donc votre approche du mouvement est de le décortiquer pour le restituer après au niveau de la routine, à la projection. Dans vos cadres de bande dessinée, vous devez être beaucoup plus sur un mouvement, mais qui est visuel et fixe. Exactement. Dans la bande dessinée, vous allez devoir réduire tout ce mouvement à un seul dessin. Un dessin qui communique tout. Alors, les différents éléments qui communiquent ce mouvement, ce dynamisme, seront dans ces dessins, mais jamais tous sur un seul dessin. Sur un dessin, il y a ça, sur un autre, voilà, la tête avec les cheveux qui montent sera là. Par contre, la tension de tirer sera là, mais la tension de pousser sera là quand il est plus voûté. Alors que si vous devez restituer, enfin donner une idée de ce mouvement en un seul dessin, votre approche va être complètement différente. Vous allez faire un dessin qui ne serait bon en aucun cas pour une animation. D'accord. On vous suit On continue. D'autres anecdotes ? Voilà, enfin là il y a des dessins assez qui évoquent, qui me rappellent beaucoup de souvenirs. C'est les premières années chez Disney, la production de Dingo et Max qui a été la première dans laquelle j'ai participé. Je faisais du layout. Encore dans le bossu de Notre-Dame, je faisais du layout. Il y a quelques exemples ici des décors de l'intérieur des tours de Notre-Dame, l'extérieur aussi là-bas. Ça a été aussi une école, Disney. Oui, c'est ce que je vous dis. Comme supplémentaire. Oui. Le, comme je vous disais, le dessin animé, c'est la meilleure école de dessin qui soit. Mais là, en plus, les experts. Et puis, ça, non seulement c'est votre développement personnel en tant qu'artiste, mais aussi toutes les choses assez extraordinaires qui vous arrivent. Par exemple, des visites dans des parties intimes des cathédrales qui ne sont pas accessibles au public. Au moment de la production du Bossu de Notre-Dame, on a visité notamment la cathédrale de Chartres et des endroits, des parties de la cathédrale de Chartres que jamais le public ne voit et auxquels nous, on a eu accès. On s'est baladé entre les arbres boutants. Vous voyez, c'était un délire. C'est très enrichissant. Cette accroche documentaire réaliste dans des univers qui sont fictionnels. Toujours. Rarement, on travaille dans des milieux qui sont totalement fictifs. Sauf, je ne sais pas, j'ai pas travaillé chez Disney, je n'ai pas travaillé sur La Planète au Trésor, mais même dans un truc de science-fiction comme La Planète au Trésor, ça évoque toujours les vaisseaux pirates, c'est toujours des évocations et des transpositions souvent d'objets d'ambiance historique. Donc c'est jamais totalement imaginaire. C'est ce qu'on peut voir aussi dans Black Sad, quelque part, cette utilisation du cadre historique. Totalement, parce que Black Sad est ancré dans les années 50 de façon très claire. Et du coup, voilà, je pense que mon côté maniaque ne m'a jamais permis d'inventer, du moins de ne pas faire trop d'hérésie anachronique au niveau de. Que ce soit des ambiances, des objets, même l'urbanisme de New York, j'essaye dans la mesure du possible de coller à ce que c'était exactement la silhouette de New York à cette époque-là. Et donc, il y a d'un côté le côté onirique que permettent les personnages anthropomorphes, et de l'autre côté, l'ancrage réaliste. Et qu'est-ce que ça amène de mélanger ces deux choses-là? Mon scénariste a toujours dit que Black Sad est un expériment narratif qui est un mélange de deux genres. L'un, vieux comme le monde, qui est la fable, et l'autre, très, très, très contemporain, très récent, parce que, on peut remonter peut-être jusqu'à Conan Doyle et les enquêtes de Sherlock Holmes, mais le polar, en lui-même, il est très moderne, c'est un des genres les plus modernes. Donc,
Donc voilà. Et l'expériment a été fructifère, on va dire. On va vous suivre peut-être dans le reste de l'univers. Voilà. Là, le Centre belge de la BD a fait un boulot formidable en reconstituant le bureau de Black Sad avec des objets d'époque. Ils ont trouvé un téléphone en bakélite, une vieille machine à écrire, je ne sais plus si c'est une Remington. Bref, le bureau, c'est épatant, c'est vraiment le même bureau, quoi. C'est quand même très, très impressionnant, le boulot qu'ils ont fait là-dessus. Tous les formes là-dedans, le soin, et puis il y a quelque chose qui est très clair dans tout. Ça donne une autre perspective à votre travail de voir cette mise en scène? Surtout, c'est très flatteur de voir à quel point ça représente pour les gens qui vont travailler dessus quelque chose qui mérite ce soin, qui a mérité ce soin, cet effort et qui est fait avec beaucoup d'affection. C'est ça surtout que je ressens et qui me flatte beaucoup. Parce que dans tous ces détails, dans le fait de reproduire la fausse carte de présentation de Black Sad ou la boîte d'allumettes du Cypher Club, voilà, il faut être. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Et ça vous laisse par différent. On parlait de cinéma il y a quelques instants. Il y a aussi une théâtralité. Donc, on peut trouver les deux modes d'expression dans vos livres. C'est beaucoup plus influencé. Ma vision de la BD, particulièrement dans Black Sad, c'est beaucoup plus influencé par le cinéma que par le théâtre. J'adore le théâtre. Et d'ailleurs, bon, on verra les Indes de Fourbe, mais justement, on a eu une confrontation amicale qui est devenue très heureux, fort heureusement une vraie symbiose au niveau narratif avec Alain Hérol et les Indes de Fourbe, où lui, il a une vision de la narration beaucoup plus théâtrale. C'est très grossier ce que je dis, mais en gros, moi, j'ai une vision du découpage beaucoup plus cinématographique, entre guillemets, parce que la BD, c'est pas du cinéma. Mais bon, et c'est un peu fantaisiste de parler de langage cinématographique en BD. C'est pas le même support, c'est pas le même débit narratif, mais il y a quand même des éléments évocateurs. Mais, donc, du coup, en simplifiant beaucoup, on peut parler d'un langage plus cinématographique ou plus théâtral. Évidemment, quand on lit Tintin, on sait que voilà, c'est très théâtral, c'est frontal en général. C'est un certain langage qui fonctionne très bien, mais qui est différent de celui que j'ai hérité modestement de Giraud, de Hermann, de Loisel. Ces grands, énormes narrateurs qui m'ont nourri et auxquels je dois tout. L'exposition est vraiment montée avec un soin incroyable, tome par tome. Les planches sont très bien présentées. C'est jonché de détails. Ce poudrier d'illustrations que j'avais fait à des occasions précises comme celle-là pour le coffret qu'on avait réalisé pour les trois premiers Black Sad. J'avais fait cette illustration pour célébrer un petit peu le personnage de Weekly. Celle-là qui a fait la couverture de Pilote, le irrégulomadaire de Dargo, spécial Noël. Ça se voyait, c'était l'occasion de faire un dessin un petit peu de saison. C'est un peu festif. Et là, on est dans Arctic Nation, le deuxième volume. Ces planches et ces agrandissements sont très impressionnants. Est-ce que c'est plus facile de parler des travers de l'humanité quand on reprend ce côté fable ? Je ne sais pas si c'est plus facile, parce que ça, il faudrait le demander au scénariste. Mais en tout cas, comme il dit souvent, et je reprends ces mots, dans un médium aussi condensé que la bande dessinée, le fait de jouer avec des stéréotypes est très utile, permet de gagner du temps, narrativement parlant. Et,
évidemment, la notion animalière, le fait d'utiliser les animaux comme des représentations, comme des reflets, des caricatures même de type humain, c'est très parlant, c'est très efficace. Est-ce qu'il y a un plaisir à jouer sur le côté stéréotype? Le plaisir surtout, c'est... Le plaisir, c'est surtout de dessiner les animaux en eux-mêmes, parce que moi, j'ai toujours adoré dessiner les animaux, et ça vous... Ça élargit énormément le spectre des physionomies des personnages que vous pouvez avoir. Pour des personnages humains, évidemment, vous avez aussi un spectre très large, mais avec les animaux, disons que ça se multiplie, c'est à l'énième puissance. Vous pouvez faire un gars... Enfin, entre faire un gars qui a l'air un peu simiesque et faire carrément un orang-outan qui joue du blues, voilà, là, tout est dit. Aussi travailler sur une palette de couleurs, on va pouvoir le voir au fur et à mesure des albums qu'on va traverser, sur un spectre qui va être très très large, du premier album de Black Sad au dernier. Oui. Le champ de la couleur va exploser. Le premier album de Black Sad, il a failli être réalisé en noir et blanc, parce que c'était du polar, c'était du noir, donc... ça aurait été tout à fait pertinent, mais j'avais envie de faire l'aquarelle, j'avais envie de faire la couleur, et en même temps de rester proche du noir et blanc par une palette assez limitée, assez grise, assez sombre, ce qui n'était pas forcément très judicieux, parce qu'à l'aquarelle, les palettes sombres ne sont pas évidentes à réussir, mais bon, malgré tout, j'ai tenu le pari, et après, au fur et à mesure, de façon très naturelle, au fur et à mesure des albums, La palette s'est élargie parce qu'il y avait plus de situations, plus d'ambiances, d'autres ambiances différentes qui invitaient à des palettes couleurs différentes, des nouveaux éclairages. Et voilà, et aussi, disons que, inévitablement, de temps à autre, je recycle des palettes que j'ai déjà utilisées, mais tant que je peux, j'essaye quand même de trouver une palette légèrement différente, enfin de ne pas reproduire exactement une gamme de couleurs que j'ai déjà utilisée. Mais donc, le premier pourrait nous rappeler... C'est vraiment pour le plaisir. Si on se replonge dans le cinéma, le premier pourrait nous rappeler des films des années 50 dans New York, alors que les suivants évoluent dans le temps avec... une arrivée du cinéma à la couleur qui est beaucoup plus parlante. D'une certaine façon, oui, mais c'est aidé aussi par l'arc narratif, parce que au quatrième tome, Black Sad fait un déplacement en Louisiane, et du coup, l'Enfer, le silence se passe à la Nouvelle-Orléans, et bon, la lumière du sud des États-Unis. Et voilà, et particulièrement de la Nouvelle-Orléans, ça n'a rien à voir avec l'ambiance à New York, qui est une ville magnifique que j'adore, c'est un de mes endroits préférés au monde. Mais voilà, quand même, la Louisiane avec son climat et son humidité, ça a invité à quelque chose de différent. En plus, on a joué sur des flashbacks à des moments, les flashbacks sont des moments toujours qui se passent en journée, et l'action principale se passe pendant la nuit, donc on a des allers-retours dans le temps. Donc, du coup, il y a des coupes de couleurs assez sèches, assez drastiques. Tout ça, ça a eu une continuité avec le cinquième tome à Mario, où le personnage, du coup, se retrouve sur la route, en fait, à faire un énorme détour pour rentrer à New York, en traversant plein de paysages différents. Et du coup, c'est des ambiances diurnes, c'est des paysages que je n'avais pas encore montrés dans la série de Black Sad, parce que c'était tout le temps des paysages urbains. Et ça a évolué naturellement. C'est juste par cohérence narrative. Il y a des gens qui se sont dit « Non, mais la série devient trop lumineuse, trop solaire. » Non, mais c'est momentané. C'est momentané, c'est normal, parce que vous ne faites pas un road movie. Sauf si vous voulez vraiment le faire sous la pluie tout le temps. Mais bon, en général, quand vous circulez... Est-ce qu'il y a une implication voyage dans ce que vous faites ? Après, chacun ressent ce qu'il veut par rapport à ce que j'ai fait. En tout cas, là, et notamment dans le quatrième, pour moi, si c'était une invitation express à visiter et connaître la Nouvelle-Orléans et sa,
et sa vie et sa musique, parce que c'est encore une fois, c'est une ville absolument fascinante. Vous traversez aussi, enfin, vous faites un voyage dans le côté culturel des États-Unis, dans tout ce qui a nourri la culture, qu'elle soit populaire ou qu'elle soit musicale. Parce que... Bien sûr, c'est tout ce qui est... Enfin, tous les éléments culturels qui sont amenés dans le récit de Black Sad sont des références à cette décennie en particulier. Et les années 50 sont intéressants, entre autres, parce que c'est le moment où la société occidentale a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Évidemment, ça a beaucoup changé et dernièrement, ça change à une vitesse exponentielle, on dirait, ou du moins on en a l'impression. Mais il y a tellement de moments charnières historiquement dans cette décennie et il y a tellement de nouvelles choses qui ont peu changé depuis. Par exemple, enfin, je pense souvent à la coupe des costumes. C'est légèrement différent à celle d'aujourd'hui. Ça change entre les années 60, 70, 90. À chaque, disons que la coupe d'un costume pour homme change légèrement, mais depuis les années 50, a pas tellement changé. Alors qu'entre les années 30 ou même 40, il y a pas photo. C'est pas du tout la même chose qu'un costume que pouvait porter Cary Grant dans celui de La mort aux trousses, par exemple. C'est quasiment, tu te dis, mais voilà, on pourrait le porter aujourd'hui, il est parfait ce costume. Donc, alors que des costumes, le costume que le même Cary Grant portait dans Arsenic et vieille dentelle à la fin des années 30, c'est un truc vieillot, à rayures, quelque chose de très différent. Donc les 50, c'est quand même ce moment charnière assez important. Il y a aussi une révolution musicale quelque part dans les années 50, qu'on retrouve quelque part dans l'ambiance. Ouais, c'est la naissance du rock and roll. Ouais, parce que en fait, il y a une espèce d'histoire de l'art dans ce que vous faites. Enfin, je ne sais pas si on en est témoin, on en est indirectement témoin. On pourra le voir avec les Indes Fourbes aussi, avec des références à Velázquez, par exemple. Oui, là, c'est encore plus marqué parce que vraiment, c'est historiquement. On traverse les arts aussi dans différentes époques dans votre travail. Disons que inévitablement j'ai eu beaucoup d'influence de l'art à toutes ces époques et travailler sur les Indes de Fourbes, c'était particulièrement plaisant parce que voilà, la peinture baroque c'est quelque chose de très c'est quand même une période où il y a eu un fleurissement de la peinture, notamment que ce soit plus proche d'ici où on est, la peinture flamande ou la peinture espagnole, franchement anglaise aussi un peu, mais en Angleterre souvent c'était des peintres flamands qui venaient voyager, Rubens ou Van Dyck ont voyagé partout en Europe, et la peinture, le niveau de peinture, la technique que ces gens-là ont développé, que ce soit Van Dyck, Rembrandt, Velázquez, Murillo aussi. C'est une vraie révolution, à mon avis, même si c'était anticipé par les Vénitiens. Mais bon, c'est une. Il y a une éclosion qu'on c'est pas qu'elle est inconnue, mais je pense qu'on raconte l'histoire de l'art. Et on fait pas assez attention. Je pense qu'on devrait faire encore plus attention à ce moment dans le développement. Franz Hals, il anticipe toute la peinture moderne, il anticipe tout l'impressionnisme et tout le reste. C'est unique. C'est beaucoup plus important cette charnière dans la technique picturale que celle des siècles précédents. Que l'évolution entre la Renaissance et le maniérisme, tout ce que vous voulez, mais je pense que c'est là que c'est crucial. Enfin, après, c'est mon goût personnel ou mes références et mes ancrages esthétiques particuliers. C'est difficile de,
de s'inscrire dans cette lignée de peintres, d'artistes, etc. C'est, ah non, il y a une responsabilité. Non, pas du tout. Moi, je suis un dessinateur de BD. Enfin, excusez-moi d'être vulgaire, mais il ne faut pas déconner. Enfin, moi, je ne suis pas un peintre, je suis dessinateur de BD. Et voilà, je m'inspire de tout ça parce que c'est beau, parce que c'est référence pour toute esthète, je dirais. Après, je fais de la bande dessinée, ça va, c'est des petits Mickey. On le fait avec plus ou moins de réussite, et surtout avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de sérieux. Mais bon, faut pas rêver. Allez, on continue. Et là, on est dans le quatrième tome. Moi, j'ai une affection particulière pour le quatrième tome. Les gens, en général, on va dire à 80%, préfèrent le deuxième tome, trouvent que le deuxième tome est le meilleur ou celui qui leur parle le plus. Quelques-uns aussi, le premier, parce que c'est le polar référentiel très, très classique. D'autres, le tome 3 parle de l'histoire d'amour, mais moi c'est le quatrième tome. Je trouve que l'histoire de la destinée tragique du personnage de Sébastien, c'est quelque chose d'une poésie et d'une force incroyable. Moi j'ai une connivence particulière avec ce volume, aussi du fait d'avoir visité la Nouvelle-Orléans pour faire le repérage, et ça m'a dans une certaine mesure, ça m'a transformé parce que... C'est important pour vous de voyager comme ça. C'est ça. Je savais que c'était important d'avoir des bonnes références, mais j'avais commencé mon travail sur la Nouvelle-Orléans avec des photos et des reportages photographiques ou des images trouvées par-ci par-là, des livres même. Et j'étais complètement à côté de la plaque. Je ne l'ai compris qu'en mettant le pied, en descendant du taxi à la Nouvelle-Orléans. Je me suis dit, mais j'étais totalement à côté de la plaque. Je ne savais pas ce que c'est la Nouvelle-Orléans. Est-ce que c'est une facilité pour la génération actuelle d'auteurs de bande dessinée d'avoir un accès beaucoup plus grand aux sources, aux voyages, pour travailler ? Une chose, c'est aujourd'hui, on a beaucoup d'accès à des références de la documentation sur Internet, mais voilà, c'était mon propos justement, et que ça peut être un peu trompeur, parce que aucun reportage photo vous donnera la vraie dimension de ce que c'est une ville comme la Nouvelle-Orléans, ou de ce que c'est pour vos yeux l'expérience du Grand Canyon ou de Yosemite ou de Death Valley, quoi. Ce sont des choses qu'il faut voir avec ses yeux, qu'il faut sentir, ou la grande muraille de Chine, ou le Machu Picchu, justement. Ouais. C'est avec le voyage à la Nouvelle-Orléans, et c'est avec ce pas. Moi, c'était le grand pas pour moi, c'était le pas de Armstrong. Mais à la Nouvelle-Orléans, quand je sors du taxi et je me dis, ça valait la peine, immédiatement, instantanément, je me suis dit, ça valait la peine de venir, parce que là, immédiatement, j'ai compris quelque chose. Et j'allais en découvrir, et j'allais tout ça allait se déployer les jours qui ont suivi, où j'ai visité la Nouvelle-Orléans, et j'ai quasiment mémorisé son plan. Et voilà que j'ai découvert, que j'ai réussi à faire abstraction de tout le tralala pour touristes qu'il y a, qu'on exploite à la Nouvelle-Orléans. C'est logique, c'est une ville très touristique, mais bon, une fois que vous faites abstraction, vous voyez que la musique est omniprésente, qu'elle est vraie, qu'elle est authentique, que la ville, elle a une histoire, que la ville, elle a des landmarks, des lieux iconiques, des historiques, urbanistiques, qui sont formidables, quoi, qui ont une énorme valeur historique et pour nous, narratif du coup. Ce serait quoi le lieu idéal où envoyer John Blacksad la prochaine fois? Ne me demandez pas. Ça, c'est des questions pour le scénariste. Bon. Et là, voilà. Et ça, ce truc, c'est une année de travail. Une année entière de travail. J'y ai laissé ma santé, j'y ai laissé les plumes,
Et voilà, il travaille avec une équipe extraordinaire de gens qui ont travaillé avec une super bonne volonté, un budget réduit. Mais bon, voilà, ça a été fait. Ça a été fait. J'avais envie de faire quelque chose de très très fun en dessin animé et qui m'appartient là, dans une certaine mesure. Donc, et voilà. Alors ici, on est dans une partie de l'expo qui est peut-être vos œuvres un peu moins connues du grand public. Ça fait... Oui, ça c'est un petit peu plus des projets, des petits projets en dehors de Black Sad ou des Indes de Fauve, d'autres choses. Et ici, on peut voir aussi le travail sur l'ancrage et sur les noirs qui est dans la partie précédente moins visible. Mmh. On voit beaucoup plus des images colorées. Ici, on peut profiter peut-être un petit peu plus. Là, on est dans Sorcellerie, là, le projet. De l'encre. Oui. Le projet Jeunesse, c'était l'occasion de partir sur un type d'ancrage très, très classique franco-belge. Assez, voilà, en essayant de m'inspirer du Derzo et de Franquin, sans leur arriver à la cheville, évidemment. Bon. Mais le musée a cru bon de montrer une partie de la myriade de recherches de personnages et de décors que j'ai fait pour cette série qui a été très, très amusante à faire. On a fait 3 volumes et même si elle a eu du mal à trouver un public, mais je sais parce que j'ai constaté que tous les enfants qui l'ont lu l'ont beaucoup aimé. Après, bon, on aurait aimé que plus d'enfants le retrouvent, surtout qu'elle est... Maintenant, ça a vieilli un petit peu parce qu'il y a beaucoup de références culturelles et de la culture pop, mais bon, ça vieillit très vite. À un moment donné, ça parlait aussi de la prolifération des téléphones portables, ce qui aujourd'hui, ben voilà, c'est une banalité. Donc, est-ce que c'est un élément de fraîcheur dans le reste du travail, enfin, une respiration? Oui, du point de vue que c'est quelque chose de beaucoup plus cartoon, plus gros nez aussi. Le dessin d'humour est très agréable. Et moi, je retiens ce plaisir-là et aussi le plaisir d'avoir un ancrage beaucoup plus libre que sur Black Sad, en utilisant beaucoup de noir. Et ça, c'était très plaisant. J'en suis sûr. C'est un constat que je fais, mon niveau d'ancrage s'est nettement amélioré avec grâce à Sorcellerie. Et on est nettement moins dans ce rapport à l'histoire peut-être dense et lourde que les autres. Ah oui, ça c'est pour être léger, c'est léger quoi, c'est des histoires pour enfants. Donc, là on a un petit échantillon de couverture de la série Voyageurs. Un hommage à la quête de l'oiseau du temps. Loisel, avec qui vous avez travaillé? Non, je n'ai pas travaillé avec lui, c'est juste qu'il avait visité les studios Disney à l'époque où je préparais les premières planches de Black Sad. Je lui en ai parlé et lui, il est adorable, les gens qui le connaissent maintenant, nous le savons. Mais à l'époque, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un de mes idoles allait s'intéresser comme ça à mon travail. Et il m'a encouragé, encouragé à continuer sur mon projet et à le présenter de sa part chez les éditeurs. Et par la suite, c'est l'éditeur, une fois le projet de Black Sad était signé chez Dargo, c'est mon éditeur François Lebescon qui a demandé à Régis s'il voudrait faire une intro pour une préface pour le premier tome de Black Sad. C'est pas moi qui lui ai demandé, évidemment, je ne me serais jamais permis. Et lui, il a accepté et j'étais très honoré. On était, Juan et moi, tous les deux très honorés. Là, c'est marrant parce que c'est le type d'affiches que j'aime faire. Oui, comme ça, les affiches de festival. Je me renseigne sur quels sont les autres invités qui vont être présents au festival et j'essaye d'inclure leurs personnages dans l'affiche. J'aime bien faire des scènes comme ça où plein de personnages de bande dessinée disparates s'amusent ensemble.
C'est quoi l'œuvre de bande dessinée à lire, selon vous, actuellement? C'est un peu vaste, quand même. Vous n'avez pas un conseil? Comment... C'est quoi que disait... Vaste débat, disait De Gaulle. Ah non, il n'y a vraiment pas une, je ne pourrais pas dire une, ni deux, ni trois. Hein. Parce que quand on voit tout votre système de personnages, de références... Oui, mais ce sont aussi des clins d'œil. Ça, c'était vraiment un dessin fait pour les amis. C'était mes amis dessinateurs avaient fait des hommages à Black Sad. Et moi, en retour, je fais des hommages à leurs personnages. Donc là, c'est vraiment... Ça, c'est même pas dans le cadre d'un festival. Ça, c'est... vraiment dans le cadre d'un hommage de ma part à tous ces amis et à l'immense talent qui m'ont donné un coup de pouce à un moment donné. C'est difficile de s'ancrer dans une lignée comme cette dessinateur. Oui, mais en même temps, le monde de la BD est tellement accueillant. Moi, dès le premier festival où je suis allé, quand le premier tome de Black Sad est sorti un vendredi, le samedi matin, je me retrouvais dans le train pour Lille. On allait au festival de Lisle-Annois. Dans le train, on a commencé à discuter avec Thierry Robin. Je dis « on », j'étais avec mon ex-épouse. On discutait avec Thierry Robin. Sur place, j'ai fait connaissance de Serge Le Tendre, d'André Juillard, de... Marbourgne, voilà, on s'est lié d'amitié immédiatement et l'impression dans la bande dessinée, t'as l'impression quand t'arrives, on t'accueille comme si t'étais de la famille depuis toujours. C'est un monde moins lourd que le roman ou que... Je sais pas trop à quoi ça ressemble le monde du roman, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai côtoyé quelques romanciers dans des salons de livres, notamment en Espagne, et je trouve que c'est des gens très sympathiques aussi, des gens créatifs et en général assez... Étonnamment, plus qu'on veut nous faire croire, je ne dis pas admiratif, mais c'est respectueux de la BD. Ce n'est pas des gens qui méprisent les gens de la BD, comme on dit. Non, c'est pas assez... J'ai l'impression contraire. Mais je ne sais pas après à quoi, dans ce métier, comment se passent les choses, mais en tout cas, dans la bande dessinée, c'est très confraternel, on va dire. Ici, on va s'ancrer dans la littérature plus classique. On va peut-être trouver c'est les Indes de Fourbe. C'était le projet qu'on a créé avec Alain Hérol. L'idée, c'était de... Bon, l'idée, au départ, on ne savait pas ce que c'était, parce qu'on a voulu trouver un sujet qui nous motive, qui nous enthousiasme tous les deux pour faire quelque chose ensemble. On savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble et qu'on pourrait faire quelque chose de très chouette ensemble. Mais on ne savait pas quoi. Et pendant assez longtemps quand même, c'était des mois de discussion et de déjeuner, à essayer de faire le tour de nos possibilités. Et vraiment, on ne trouvait rien qui nous motive jusqu'à ce que, après vraiment longtemps, la conversation dérive vers quelque chose vers une idée de faire quelque chose de romanesque et du coup on part vers quelque chose de très classique et on évoque Don Quichotte et puis par la suite l'idée j'ai amené sur la table le personnage du Buscón de Pablos de Segovie parce que c'était pertinent et le livre est écrit par Quevedo au début du XVIIe siècle. C'est pas qu'il est resté inconclu, mais qu'il se finit sur l'annonce d'une deuxième partie, mais qu'il n'a jamais écrite. C'est pas qu'il n'a pas pu l'écrire, parce qu'il a écrit le livre assez jeune, mais bon, il n'a pas donné suite. Malheureusement, ça aurait été bien rigolo, mais en tout cas, voilà, nous on s'est permis tout humblement et sans vouloir évidemment prétendre d'écrire la deuxième partie du Buscón, on s'est dit qu'on pouvait imaginer une suite et faire quelque chose dans l'air du temps et en même temps respectueux du style de ce genre tellement espagnol qui est le roman picaresque. Et qu'un roman picaresque en bande dessinée, ça pourrait donner quelque chose de très très chouette. Et moi, je me disais dans mon fort intérieur qu'avec la plume et le cerveau d'Alain Hérol,
j'avais, voilà, j'avais devant moi un projet extraordinaire, un projet qui allait me combler, et ça a été le cas. C'est vrai qu'on est toujours surpris à ce côté savoureux du roman picaresque où on a toujours un petit twist à un moment ou à un autre qui ramène de la fraîcheur. Et du... Oui, bien sûr, mais c'est ça qu'Alain a su récupérer, et puis, mais aussi moderniser. Parce que les romans d'époque sont linéaires, on n'a pas cette notion du rebondissement ou de créer une fin surprise, enfin, et de... Disons que ça raconte la vie, et notamment en plus c'est des récits autobiographiques en général, les récits picaresques, donc c'est linéaire, on raconte sa vie depuis son enfance parfois, et ses aventures, mais c'est pas comme s'il y avait une trame et quelque chose qui dès le début ou dès le milieu du récit se planifiait pour que des éléments qui étaient plantés pour qu'à la fin il y ait quelque chose en rapport avec ça, une conséquence, ce n'est pas... Cette notion est plus évidemment de roman moderne et même du cinéma, même c'est une notion de scénario cinématographique, voire de pièce de théâtre avec coup de théâtre, c'est le cas de le dire, inclus. Et dans ce sens-là, Alain il a modernisé. Le genre avec le juste dosage, parce que justement moi j'avais peur aussi que ça devienne quelque chose de très moderne, que finalement la référence au roman picaresque soit un peu ça fadise un peu, et ça n'a pas été le cas. Je trouve que ça a fait le bon dosage de prendre le temps de monter un projet. On prend jamais le temps, hein, mon vieux, même si c'est 3 ans et demi, mais ça ne veut pas dire qu'on a pris le temps. C'est très long. On a toujours tendance à vouloir faire vite, beaucoup. Ça fait du bien de respirer. Mais forcément, c'est pareil. On a fait vite, aussi vite que possible, parce que finalement, dans la bande dessinée, il y a aussi, vous ne pouvez pas vous permettre de passer 10-15 ans sur un album, après, parce que voilà, vous ne rentabilisez pas votre temps. Moi, j'ai passé 3 ans et demi, et la compensation a été à la hauteur, parce que le livre a été très, très bien reçu. Les libraires ont fait un travail formidable, Delcourt a fait un travail de promotion excellent, et peut-être que le livre en lui-même aussi, il a touché le public, parce que le bouche à oreille a marché aussi beaucoup. Donc, et parce qu'il est très bon. Bah, c'est ce que je veux dire par le bouche à oreille. Si le livre était mauvais, le bouche à oreille n'aurait pas marché peut-être. Mais bon, je ne veux pas non plus penser que... Surtout, je pense qu'aussi il y a eu une très belle communion entre le scénario et le dessin dans ce projet. Le public a senti ça aussi. Le fait d'avoir un beau bouquin assez hors norme, littéralement, d'une taille, d'un format assez extraordinaire, qui quasiment ressemble à une édition de luxe alors que c'est l'édition courante. Ça a joué, ça a invité les gens à offrir beaucoup le livre. C'est une chose qui a été très surprenante. Et là, le musée a eu l'excellente idée de nous ramener, de créer carrément pour l'occasion certains des objets iconiques. Voilà, et ce tableau mis en valeur dans cette au fond de ce couloir rouge. Non, franchement, même moi, quand je l'ai vu, et là, quand je l'ai revu, parce que d'une fois sur l'autre, j'oublie à quel point il est grand. Vous étiez sûr de la couverture Oui, dès le début. Dès le début, je savais ce que ça devait être. Je savais que ça devait être un portrait du personnage, habillé en noble, mais avec une tête de fourbe. C'était clair que c'était ça qu'on devait poursuivre, parce qu'il résume un peu le livre. Et on ne le comprend pas tout de suite. Non. On le comprend au départ. Alain quand on a eu le livre pour la première fois, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, c'est fantastique, j'ai relu le livre, j'ai refermé le livre, mais c'est parce que j'ai eu la couverture et je me suis dit, ça y est, on commence par un tableau et on termine par un tableau aussi, sans faire de... Bon, les tableaux sont là, sont omniprésents, on va dire. Cette couverture donne tout son sens. Du coup, on commence le livre sans la comprendre et on referme le livre sur la couverture.
et on comprend. Et là, on comprend de quoi pourquoi cette couverture prend tout son sens. Ici, on se retrouve encore dans vos planches. Il y a des planches comme ça qui vous ont plus marqué que d'autres. Il y a les parties avec le plus éprouvant pour moi dans les Indes de Four, c'était vraiment les paysages. Parce que c'est quelque chose que c'est pas que je maîtrise les autres choses, mais les paysages me sont particulièrement durs. Et j'ai peu d'expérience de paysages. Je m'y suis entraîné un petit peu. J'ai fait quelques sorties pour faire de l'aquarelle de rue avec Jean-Paul Krasinski, qui est mon copain, excellent dessinateur et incroyable aquarelliste. Je n'ai pas malheureusement appris tout ce que je voulais apprendre de lui, mais quelques-uns des, disons, les paysages dans les Indes de Fourbe, ils sont aussi omniprésents. Et bon, on a ça va, il y a quelques grandes planches dans la forêt amazonienne qui sont oui qui sont marquantes visuellement, qui approchent le regard. Oui, bon, c'est je peux pas dire que je suis entièrement satisfait, parce que maintenant je vois tous les défauts, je vois les choses où j'ai trop travaillé, où j'ai rajouté des détails nécessaires, où j'aurais pu être plus synthétique, et étant plus synthétique, j'aurais été plus parlant. C'est pas le lot de tous les artistes, ça, de... Peut-être. Rabaté, il disait que quand il rouvrait ses bandes dessinées, il voyait que ses défauts, et en fait, c'est un peu ce qui m'arrive. Mais même comme ça, je vois quand même, il y a des pas en avant, il y a une amélioration dans mon traitement du paysage, ne serait-ce qu'entre Amarillo et le cinquième Black Sad, où les paysages sont vraiment pas terribles, ou là où le niveau il n'est pas extraordinaire, mais il y a quelques paysages qui se détachent qui sont plutôt pas mal. Il y a des... Vous faites peut-être preuve d'un peu trop d'humilité? Non, pas du tout, c'est de la lucidité. C'est de la lucidité, mais bon, je ne vais pas dans ma propre vidéo, dans ma propre visite de l'expo, montrer « Regardez, ça c'est moche, regardez, ça c'est nul !» Bah non, je vais... Bon, vaut mieux rester vague, mais bon, en même temps, il y a aussi le côté fantaisiste des paysages, notamment les paysages de jungle, de montagne, aider aussi du point de vue narratif, donc du coup aider porté aussi et aider à porter en même temps le souffle épique de l'histoire, et ça c'est une bonne chose. Dans l'ensemble ça va. Eh bien, il me reste à vous remercier pour cette visite De rien. Extraordinaire, et on va vous retrouver un peu plus tard en interview avec une de mes collaboratrices pour un podcast qui se retrouvera sur la chaîne de la Foire du Livre et qui sera peut-être moins sur les anecdotes, plus sur le fond de votre travail. Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. On se retrouve très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup.